Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et que Dieu vous bénisse. Merci donc de regarder encore cette vidéo. C'est une vidéo donc de mise au point de toutes mes activités. Voilà, de tout ce qui s'est passé sur la chaîne récemment. D'abord, je suis très content parce que le 5 juin, nous avions atteint donc les 15 000 abonnés. Voilà. Et pour ce fait, je suis très reconnaissant et je remercie tous mes nouveaux abonnés, toutes mes nouvelles abonnées qui ont cliqué sur le bouton rouge juste en bas, quelque part ici. Si ce n'est pas ici, c'est que c'est ici. Si ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Quelque part dans l'angle là, le gros bouton, il est là. Je sais que vous qui regardez la première fois, vous pourrez aussi rejoindre ce gros bouton. Nous faisons plusieurs vidéos. Nous parlons du visa américain, ce qu'on appelle le DV programme, qu'on appelait avant le DV Lottery. Maintenant, ils ont changé le nom. Ils appellent ça le DV programme. Et je suis d'accord parce que depuis longtemps, depuis 2018, quand j'ai lancé cette chaîne, voilà, je disais toujours à mes abonnés de ne pas considérer cela comme une loterie. Parce que si c'était une loterie, dès que tu es sélectionné, on devait te donner le visa et t'ouvrir les portes pour les États-Unis. Voilà, la preuve que ce n'est pas une loterie, on te demande donc une adresse américaine. On veut être sûr que tu ne vas pas venir traîner ici aux États-Unis. Et non seulement on te demande une adresse, mais il faut que celui qui va te recevoir, la maison là, soit à son nom. C'est-à-dire, moi, je suis dans une maison d'un Mexicain. C'est un Mexicain d'origine, mais qui est américain. Ça fait plus de 50 ans qu'il est américain. Voilà, il est vraiment avancé en âge. Il vit ici depuis 1974. Donc, vous pouvez calculer combien d'années ça fait. Voilà. Donc, depuis 1974, je n'étais même pas encore né. Lui, il était déjà ici. Vous comprenez? Et il a eu les papiers il y a très longtemps de cela. Très, très, très longtemps. À 23 ans. Donc, ce n'est pas du jeu. Bref. Alors, donc, comme je le disais, je suis chez lui. Cette maison est à son nom. C'est vrai que si les Américains mettent l'adresse de cette maison, je vous ai dit que c'est une vidéo de synthèse, donc je parle un peu de tout. Ça va, ce sera une vidéo très riche, hein, voilà. Elle n'est pas préparée. Moi, je n'aime pas préparer mes vidéos. Je parle selon ce qui me vient à cœur. J'aime me libérer, au fait. Je ne suis pas trop mécanique. Voilà. Donc, je disais que si les Américains tapent l'adresse de cette maison là où je suis assis, ils verront qu'il y a un noir qui vit là. Parce que la preuve. Toutes mes enveloppes, toutes mes lettres viennent par son adresse. Voilà, lorsque la banque veut réagir avec moi, lorsque même l'État américain devrait m'envoyer les 1200 dollars, ils m'ont notifié ça par une enveloppe. Voilà, etc., etc. Donc, ils savent que je suis là. Mais cette maison n'est pas la mienne, je ne peux pas recevoir quelqu'un ici. Vous comprenez un peu. Donc, je ne suis pas apte à être un sponsor. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un sponsor, un hébergeur, tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pourquoi ce jeu, je n'ai jamais considéré comme DV Lottery, parce qu'on te demande beaucoup de choses. On te demande aussi le niveau intellectuel. OK? On dit il faut faire au moins 12 ans d'études qui est sanctionné par le baccalauréat, par le diplôme qui va avec. Or, quand vous calculez des CP1, jusqu'à vous faites plus de 12 ans pour quelqu'un qui n'a pas doublé, triplé les classes, hein, automatiquement, il se retrouvera en terminale. Et donc, qui dit terminale dit le baccalauréat. Donc, un jeu, quand on dit jeu, devait loterie, une loterie où on te demande le baccalauréat pour te donner le visa, ce n'est plus une loterie. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, maintenant, ils ont changé le nom. On appelle ça DV Programme. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Vous allez regarder à côté du gros bouton où ils ont mis s'abonner. Juste à côté, ils ont mis rejoindre la communauté. Pour toutes les personnes qui veulent être vraiment à jour de toutes les nouvelles fraîches, les fraîches nouvelles, tout et tout, vous cliquez sur ce bouton. Vous allez voir les services que je propose et vous allez vous abonner. Aussi, en ce qui concerne donc la nouvelle mise à jour de YouTube pour les YouTubeurs qui ont activé la souscription sur les chaînes, quand je fais la vidéo, c'est eux-mêmes qui le font, voilà, pour pousser les gens à pouvoir soutenir le YouTubeur parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ils ont bloqué un peu la partie des commentaires. Vous comprenez un peu. Voilà, la partie quand le chat là. Hein, est seulement ouvert aux ceux qui sont de la communauté. C'est pourquoi lorsque je faisais donc le paramétrage ou bien lorsque je m'inscrivais à la communauté, j'ai fait à ce qu'il y ait le plus petit prix moyen parce que je veux que mes abonnés puissent réagir. Et c'est 1,99 $. Hein, on peut dire 1000 francs CFA. Hein, on peut dire 2 $. Donc 1000 francs CFA par mois que tu vas payer
pour pouvoir faire partie de la communauté. Donc 1 dollar, 1,99 dollars, donc 1 dollar, donc on peut dire 2 dollars pour ceux qui sont aux États-Unis, dans les pays où on utilise le dollar, ou pour ceux qui sont en France, c'est, on peut dire 1 euro, 1 euro, 1 euro 50, 1 euro 30, parce que l'euro est plus élevé que le dollar. Donc c'est 1 euro 50. Et désormais, quand je ferai un direct, tu es toujours libre de pouvoir intervenir. Donc, c'est comme ça la vie. Il faut l'accepter. Ne vous fâchez pas. OK? Il faut accepter. Dans la vie, il faut accepter beaucoup de choses pour évoluer. C'est très important. Là, mais je viens de me prendre ma guitare, puisque c'est mon deuxième best instrument. Mon deuxième meilleur instrument. L'anglais l'avait fait truc. Hein? Voilà. Donc, my second best instrument. Donc, mon deuxième meilleur instrument. Après, donc, la batterie. Je joue très bien à la batterie. Et après la batterie, j'aime beaucoup la guitare. Et aussi, je joue aussi au piano. Et j'ai commencé avec le tam-tam. Donc, voilà mes temps libres que j'ai. Je prends pour bosser. Comme vous allez voir, j'ai fini le cours en ligne et c'est payant. Vous voyez toutes ces choses-là. Toutes ces notes qui ont été dessinées ici, tout ça, voilà, c'est en ligne qu'on prend cela. Et moi, je paye 5,99 hein, dans l'application de ce monsieur-là. Pour toute personne qui veut l'apprendre, mais il faut être aux États-Unis. L'application n'est pas valable pour les pays africains, je ne sais pas pourquoi. Mais pour toutes les personnes qui veulent l'apprendre, je peux vous envoyer le nom de l'application par mail ou vous me faites signe. Vous allez vous abonner et vous allez payer. Il y a plusieurs modules. Et moi, je suis module intermédiaire, donc on me prend 6 $, 5,99 et je paye. Donc, dans la vie, acceptez cela. Voilà, acceptez cela. Ça va vous grandir, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Pour toutes les personnes qui veulent les suivis, OK? Aussi, dans le bouton rejoindre, quand vous cliquez, vous allez voir la partie des suivis. OK? Voilà. Parce que quand je donne le prix en inbox, c'est beaucoup plus élevé. Les gens disent, oh, c'est beaucoup. C'est quelque chose qui n'arrive même pas à 200, 300 000. Mais les gens pleurent déjà. Donc, ici, c'est vraiment très moins cher. Moins de 40 000. Parce que quand on convertit, ça fait quelque chose. Et tu auras vraiment un suivi vraiment, vraiment approfondi. Et à la taille, à la dimension de tes défis. Vous comprenez? Voilà. Tu auras mon WhatsApp direct puisque celui-ci. Je vous ai dit que ma table, vous voyez, je l'ai jeté en bas ici. Parce qu'elle ne me sert plus à rien. Et je ne sais pas comment faire pour enlever la bactérie. On ne peut pas enlever la bactérie et ça y est, là, ça ne s'allume pas, ça ne charge pas et rien. Ce qui fait que le WhatsApp là-bas est fait, on peut dire que c'est fermé, vous comprenez? Donc, toutes les personnes qui ont mon WhatsApp privé, les personnes toujours essaient d'interagir avec moi, ok? Et les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, le contrat est terminé, voilà, parce que je les ai suivis pour choses, mais d'autres n'ont pas été sélectionnées, d'autres ont été sélectionnées. En ce qui concerne donc les suivis personnels, désolé si je parle un peu de toutes ces choses-là parce que c'est une vidéo de synthèse. Donc, il me reste 2 places parce que je vais prendre vraiment 10. Je ne vais pas prendre assez de personnes puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il me reste 2 places. J'ai déjà commencé avec 3 autres déjà. On a déjà commencé à établir les documents parce que déjà, il faut penser aux documents. Il faut vraiment penser aux documents. OK? Et puis, allez-y dans les institutions agréées, agrégées pour les documents. Ne passez pas par les couloirs. Comme j'ai fait la vidéo, l'intégrité, hein, de tes documents, ça va peser à l'interview. Si tu fais un document qui n'est pas reconnu, on peut te refuser le visa. OK? Donc, c'est très important. Il faut être sûr que quand tu t'en vas signaler ton bac, il faut que ce soit un vrai bac, il faut que ce soit un vrai certificat de nationalité, un vrai extrait de naissance, bien, jugement, un truc comme ça. Et soyez vraiment, 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 vraiment attentif là-dessus. Donc, j'ai déjà commencé avec d'autres personnes. D'autres personnes n'ont pas encore reçu leur adresse. Leur sponsor ne les a pas encore répondu. Elle m'a même donné le numéro. J'ai essayé d'appeler, mais on me dit que le numéro ne passe pas. Donc, je suis en train d'essayer d'être interlocuteur. Vous voyez? Parce que de là-bas, les appels sont chers. Ici, c'est carrément gratuit. Quand tu payes le téléphone, tu as payé SMS illimité. Appel illimité, Internet illimité et MMS illimité. Donc, voilà, au lieu de, je peux appeler directement d'ici. Et quand c'est comme ça, il ne sait même pas que c'est toi tu appelles, puisque c'est un numéro américain. Forcément, cette personne va décrocher et je peux essayer de parler en ton nom. Vous voyez, parler en ton nom et ça va crédibiliser ton dossier parce que déjà, ça va faire comprendre à ton sponsor que tu connais quelqu'un ici, mais c'est parce que la personne n'est pas apte à pouvoir te sponsoriser. On peut prendre cette tangente-là. Et comme ça, ton sponsor sera aussi très content et très en forme. OK? Voilà, c'est très, très important. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et je suis en train de voir avec. J'ai parlé avec 2 jeunes filles et puis un jeune qui est en train de suivre 3 personnes. Un qui est au Burundi et puis il y a 2 autres Ivoiriennes. On a parlé.
pour voir, lorsqu'elles auront leur visa, qu'elles vont venir ici, on va voir dans quelle mesure on va s'arranger pour prendre un appartement ensemble. Comme moi, je suis déjà bien, je connais un peu le système. Je peux prendre à mon nom, elles vont essayer de compléter, prendre un appartement de 3 chambres, 4 chambres, chacun à sa chambre. Je vais faire cela, mais il faut que la personne soit de bonne moralité et plus particulièrement, il faut que la personne soit chrétienne. Ça, c'est, tu es chrétienne, on prie le même Dieu, on est bon, on pourra se respecter. On prend un appartement ensemble et on détache, on paye détachement, de manière détachée. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent venir en Californie. Donc je suis en train de penser à toutes ces choses-là, ok, pour pouvoir aider mes frères à s'insérer. Parce que si tu n'as pas encore le boulot, voilà, tout ça sera compliqué. Mais quand tu m'épaules à pouvoir prendre l'appartement, ben moi je vous aide. Donc voilà, avec mon expérience, si c'est 3 chambres salon par exemple, on se retrouve au salon. Je dis bon, toi tu es arrivé à quel niveau? Je deviens un coach encore physique. Vous voyez, je veux le faire, je suis toujours en train de penser. Donc, c'est des mises à jour. Et si vous êtes intéressé, pour ceux qui viennent en Californie, vous me contactez. Comme ça, on pourra vraiment, vraiment bien parler là-dessus. Voici ce qui concerne Develotory. Pour ceux qui ont eu et qui n'ont pas besoin de suivi, qui n'ont pas besoin de moi, je vous encourage à faire vraiment assez vite. Renseignez vos DS 5540 ou bien 260. Ne faites pas d'erreur parce que le DS est très important. Quand vous allez à l'interview, c'est le DS qui est devant. Le DS, l'ordinateur est là et il regarde ton DS pour te poser les questions. Donc, c'est très important. Ne mentez pas. Si vous n'êtes pas marié, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes marié. OK? Si vous êtes marié, ce n'est pas la peine de mettre aussi célibataire. Il y a beaucoup de choses. Faites très attention. Déclarez vos enfants. Remplissez bien le truc. Remplissez vraiment très bien. Ne mettez, vous n'avez pas de sponsor, mais comme vous voulez avoir le visa, vous voulez mentir, vous allez aller sur Internet, chercher les adresses américaines, plaquer une adresse comme ça. Hein, quand c'est comme ça, si tu es attrapé, tu seras sur la liste rouge et tu ne pourras plus jamais rentrer aux États-Unis pendant très longtemps. Il faut faire très attention, il faut que tout soit coordonné parce qu'eux, ils vérifient tout. Vous savez que les États-Unis, la sécurité nationale passe avant tout. Pour laisser quelqu'un rentrer dans leur pays, ils ont le devoir de vérifier tous tes antécédents, de vérifier tout ce que tu déclares comme document, comme adresse, comme nom. Tout ce que tu déclares, ils vont vérifier ça à la loupe avant de te donner ton visa. Et je vous rappelle que c'est Donald Trump qui est président des États-Unis. Donald Trump, vous savez c'est quel genre d'homme. Make great American again. Ça, c'est son truc. Donc, l'Amérique, c'est sa priorité. Sa priorité, ce n'est même pas toi. Il faut que ça soit bien dans ta tête. Donald Trump, là, sa priorité, ce n'est pas moi. Donald Trump ne sait même pas que je vis ici. Ce n'est même pas sa priorité. Voilà. Le gars, il est décédé là. Il a pris 30 secondes. Combien? 15 secondes pour parler de ça, il a laissé tomber. C'est pas leur priorité. Donc, mettez ça dans vos têtes. Donc, soyez corrects. Nous venons ici pour travailler, pour chercher un lendemain meilleur, pour avoir ce que nos continents, nos pays n'arrivent pas à nous donner pour l'avoir ici. Voilà, c'est très important. Parce que malheureusement, comme je l'ai fait, beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes, d'autres personnes ont compris le message que j'ai fait passer hier quand j'étais à ma pause et j'ai fait le direct de 16 ou 17 minutes où j'ai dit que j'ai toujours été déçu des Africains, pas du continent africain, mais de ceux qui vivent en Afrique. Leur comportement, la majorité, pas tout le monde, mais la majorité, hein, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y a au moins 60 personnes qui sont dans ce cas négatif-là. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont commenté pour me dire, mais est-ce que toi-même tu as marché? Est-ce que toi-même tu as fait tant? Mais quand on dit que l'Afrique n'a pas marché, on n'a pas dit tous les Africains, même si l'Afrique marchait, ce n'est pas tous les Africains qui allaient marcher. Moi, j'ai marché, mais chose que vous ne saviez pas. Pour ceux qui lisent la Bible avec moi, tout à l'heure, si j'ai fini, je vais aller sur ma page pour lire la Bible. Un jour, on était en train de lire et il y avait des gens qui parlaient. J'ai même parlé, j'ai dit, oh, ils sont en train de mobiliser les gens pour marcher. Dès que j'ai fini, j'ai marché. On a fait un peu le tour de notre secteur. Et après, on nous a bloqué, c'est au fond là-bas, vers Fountain Valley, où je vous ai fait vidéo, le parc là. C'est là-bas, on nous a bloqué. Et encore à 20 minutes de chez moi, là où je suis, on appelle ça Costa Mesa. On voulait aller marcher là-bas, ils ont barré là-bas encore. C'est-à-dire, la police, ils ont fait coupe-feu. Et on nous a envoyé des SMS pour dire que personne ne doit sortir à partir de 18 h. Donc, ils ont contrecarré, ils ont anticipé sur les marches en Californie, surtout vers chez nous ici, qui est un coin un peu paisible, pas trop chaud. Et ce n'est pas trop peuplé comme Los Angeles, vous voyez. Ils peuvent pas trop, parce que Los Angeles sont peuplés. Mais j'ai marché un peu. Voilà, mais j'ai pas trouvé nécessaire de filmer tout ça. Et voilà, pourquoi? Parce que j'avais des pancartes, tout ça. On a marché un peu. Voilà. Donc, pour ceux qui demandaient ça, oui, j'ai marché pas beaucoup. J'ai marché au moins une trentaine de minutes et je me suis retourné.
Voilà, parce que je voyais que les gens voulaient voler, casser, et je voulais pas faire partie de la suite. Donc je me suis retenu, je ne sais plus ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'était un peu ça. Je vis à 1 heure de Los Angeles, et si c'était Los Angeles tout le temps, peut-être j'allais faire des vidéos, puisqu'il y a du fou, mais ici on n'est pas nombreux, et je n'ai pas trouvé nécessaire de le faire. Donc pour répondre à ces personnes-là, oui, j'ai marché, mais c'est ça aussi le propre de l'Africain. Quand un président vient et qu'on lui reproche quelque chose pour dire, mais tu as dit, tu allais faire telle chose. Il dit, mais est-ce que le président qui était là, est-ce qu'il a fait? Voilà l'Africain. Est-ce que toi, tu as marché? Il y a un mec qui dit, depuis la honte de noir, là, tu n'as jamais parlé de ça. C'est lui-là, ce moment-là. Vous voyez? Donc, c'est malheureux, c'est déplorable, mais chacun a sa perception de la vie, chacun a sa manière de faire. Donc, chers Africains, faites comme vous, bon vous semble, faites comme vous le voulez. De toute façon, chacun mène sa vie comme il veut. Et moi, j'aime l'homme à la peau noire et je suis un noir. Et j'aime mon continent. Et quand à la vérité, je suis prêt à dire la vérité. Quel que soit ce que ça va m'écouter, je dirai toujours la vérité parce que c'est ma chaîne YouTube. Je n'ai pas demandé l'autorisation de quelqu'un pour créer ma chaîne. Et quand je débutais ma chaîne pour avoir mes 100 premiers abonnés, ce n'était pas facile. Je me suis démêlé, je me suis battu seul pour construire cette chaîne-là. Donc si quelqu'un tombe sur cette chaîne et peut-être qu'il ne sait pas si c'est l'aigreur, la jalousie ou quoi que ce soit, on connaît le comportement de l'homme noir. Si c'est ce qui t'amène à avoir toujours la négativité dans tout ce que je fais, à mettre toujours les pouces au dislike, voilà, sur une vidéo, il y a 200 personnes qui ont aimé, il y a toujours deux ou trois personnes qui n'aiment pas. Toujours il y a des personnes comme ça. Ils voient que le message est bon. Ce que tu dis, c'est bon. Tu n'as pas insulté maman de quelqu'un. Tu n'as pas dit des gros mots, des grossièretés. Tu as été poli dans ta vidéo. Tu as véhiculé ton message. Il va toujours mettre dislike. Et quand toi-même, tu vois une vidéo, tu tombes sur une vidéo. J'ai des vidéos qui ont 700 likes, 1000 likes. Il y a des vidéos qui ont 1000 likes. Les vidéos récentes. Des vidéos, ça fait même pas une semaine. Il y a des vidéos qui ont 1000 likes, il y a des vidéos qui ont 700 likes. Les vidéos 5 jours en arrière. Mais dans les 700 likes, tu vas voir 8 personnes qui ont mis dislike. Toi, tu tombes sur une vidéo, il y a 700 personnes qui ont aimé. Et toi, tu as le courage de mettre dislike. Ça, c'est le propre donc, de l'homme qui a un mauvais cœur. L'homme qui trouve le mal là où il n'y a pas le mal. Il va toujours trouver le mal. Même cette vidéo que je suis en train de faire, il y a des personnes qui vont trouver le mal. C'est ça l'Africain. C'est ça que je n'aime pas chez l'Africain. Je vous assure, le chrétien ne jure pas, je ne vais pas jurer. Mais je ne peux pas regarder une vidéo de quelqu'un qui me met dislike. Ce n'est pas possible. Si ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Parce que le dislike, là, ça signale sur YouTube, vous voyez, et ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce que je gagne quand je mets ça? Par contre, nous qui avons des chaînes sponsorisées, tu as mis dislike, oh, tu n'as pas mis dislike, oh, le fait que tu as regardé là, même si c'est 0,00000 centimes de dollars, c'est que si quelque chose est rentré. C'est ça que tu ne sais pas. Si c'est demi, 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 demi dollars, c'est demi plus demi qui font un. Vous comprenez? Donc, tu as disliké, oh, tu as aimé, oh, tu es aigri, oh, tu as mis une vue. On va mettre plus une vue sur ma vidéo parce que tu as regardé. Tu as mis dislike, oh, le peu que tu as regardé, là, YouTube va comptabiliser ça. Vous comprenez? Donc, pourquoi ne pas avoir un cœur simple? C'est en guise de ces personnes-là que j'essaie de faire un peu ce truc-là. Voilà. Et je suis en train de cotiser puisque pour acheter le tableau pour le cours d'anglais, puisqu'on m'a demandé, ça coûte un peu, on parle de 300 dollars, hein, le tableau blanc où on peut, c'est beaucoup cher, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est beaucoup, beaucoup cher avec les marqueurs effaçables. Là, voilà. Donc je suis en train de cotiser pour pouvoir prendre donc un tableau. Voilà. Je cherche les deuxièmes mains, je n'en trouve pas. Les gens ne vendent pas les deuxièmes mains, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais tout faire pour pouvoir m'en procurer. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et par la grâce de Dieu, je me suis en procuré et quand je finis, je vais attaquer ça au fur et à mesure pour pouvoir donc vous servir. Donc, on fera le cours d'anglais, la leçon de vie, on en fera, ne vous inquiétez pas, hein, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, je fais aussi des leçons de vie que les gens admirent beaucoup, que les gens aiment beaucoup. Il y a un thème qui est resté dans la mémoire de plusieurs de mes abonnés qu'on appelle la bêtecologie intelligente. La bêtecologie intelligente que j'ai créée, voilà, et j'ai fait acte 1, acte 2, acte 3, je pense que j'ai même fait acte 4, et un jour je vais faire acte 5 au fur et à mesure. Voilà, la bêtecologie intelligente, hein, si vous voulez l'humilité dans la vie, hein, dans la vie ça ne fait rien, quelqu'un crie sur toi, c'est pas grave. Regardez un peu, je vais vous rendre un tout petit témoignage pour terminer. Ça m'a rendu un peu bizarre en face de cette jeune fille. Elle est la troisième directrice de là où je suis. Parce que moi, je suis manager, mais dans les managers, il y a des grades. Il y a d'autres qui sont department manager. Elle fait le management des personnes, des êtres humains.
Voilà. Parce que moi, je suis manager des cartons, manager de ce qu'on vend là. C'est-à-dire tous les hamburgers, toutes les sauces. Il y a ce qu'on appelle Big Mac sauce, tartare sauce, Filet-O-Fish. Comment on appelle ça? Mais tartare sauce pour Filet-O-Fish, Big Mac sauce pour les Big Mac. Et il y a aussi une sauce là que j'ai oublié un peu là. Mayonnaise, mayo. Donc toutes ces sauces, ça vient en carton. Les French fries, ce qu'on appelle les frites, ça vient en carton. Tous ces cartons-là, c'est moi qui suis chargé de regarder le gars déchargé, de compter les cartons. Parce que quand ça rentre, on ne peut plus calculer, puisqu'il y avait déjà des anciens cartons. Vous comprenez? Et ce poste-là, on le donne à des personnes, comment on appelle ça, de confiance. Parce que je peux voler à l'infini. Quand on me dit il y a 100 cartons de French fries qui est venu, pendant que dans le, ce qu'on appelle le frigo, hein, dans le coin glacé, là, un peu oublié comme on dit ça en français, là-bas, il peut y avoir 80 autres cartons qui attendent, puisque c'est grand et puis c'est. Voilà. Et quand on met les 100, qui va aller compter? C'est touffu comme ça. Donc, si il y a d'autres qui le faisaient, on m'a fait mais moi, j'ai dit, je ne le ferai jamais. Parce que ça va me servir à quoi? De voler. Une histoire de truc, vous voyez. Mais il y a d'autres qui le font. Ils s'attendent avec le conducteur là. Si c'est 100 qui est venu, ils font descendre 40 ou ils font descendre 50 et le reste, ils sont 25 et ils se partagent. Moi, je ne le ferai jamais parce que je me suis toujours battu honnêtement pour gagner ma vie. Et je viens d'arriver ici et en un an, j'ai été promu comme meilleur employé de McDonald's tout Orange County. Hein. Renseignez-vous autour de vous, demandez ce qu'on appelle Orange County. Dans Orange County, là, il y a Los Angeles dedans. Los Angeles, c'est une partie de ce qu'on appelle Orange County, si je ne me trompe pas, hein. Mais je veux dire que Orange County, c'est. Non, André, c'est pas. André, c'est. Bon. Bref, Orange County, c'est l'association de plusieurs villes californiennes. Il y a Orange County, c'est des grandes associations. Voilà. Et c'est moi le nègre, là. J'étais le meilleur employé de l'année 2019, l'année qui est passée, là. Un an seulement que je vis ici. Pourquoi? C'est Dieu qui m'a béni là-dessus, mais c'est parce que moi aussi, j'ai un cœur. Je suis pas saint, mais j'ai un cœur aussi un peu bon. C'est un peu bon. Voilà. Donc, faites comme moi. Ne volez pas. Je vous ai dit que je ne prépare pas mes vidéos. Tout ce qui me vient, je dis. Et tout est mélangé. J'appelle ça vidéo de synthèse de Herman Ivoirien, USA. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Je fais des vidéos sur le permis de conduire américain, sur le DV programme qui donne droit au visa et le plus gros papier qu'un immigré peut avoir dans ce pays. Le papier que j'ai là, il n'y a pas un papier qui dépasse ça. C'est-à-dire un papier d'un immigré, que tu sois chinois, que tu sois français, tu es dans ce pays-là, papier que j'ai là, c'est le top niveau. Après ça, tu deviens citoyen. Il n'y a pas un papier en dessous de ça, en dessous de citoyenneté, qui est plus grand que ça. On appelle ça la green card. Et c'est couché dans ma valise là-bas. J'ai la green card et j'ai ma carte californienne. Je suis résident permanent californien. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller à Washington si je vais aller, ou bien d'aller à, je sais pas, au Texas, ou à New York, Jersey, à New Jersey ou New York. Je peux aller partout. Mais ce que je suis dans la base de données américaine, je suis californien. Voilà. Donc sur ma carte d'identité, c'est écrit californien. Je suis californien. Vous comprenez? Donc je fais des vidéos là-dessus, le permis de conduire, Green Card, DV Lottery, ou bien DV Programme, les leçons de vie. Je parle aussi, je donne un ton sur les quelque chose de la politique. Je ne fais pas la politique, mais je donne un ton là-bas aussi souvent, comme je l'ai fait hier. Bon, ce n'est pas la politique pour hier, les gens ont mal compris. Voilà. Donc, vraiment, voici un peu la vidéo de synthèse que je voulais faire. Voilà. Je vais terminer pour dire de ne pas être avare en ce qui vous concerne. Ne soyez jamais avare en ce qui vous concerne. Ne soyez jamais avare. Moi, j'ai donné beaucoup d'argent. Pourquoi me suivre? Beaucoup d'argent. C'est-à-dire, l'avance même, là, ce n'était pas du jeu. L'avance seulement, là, c'est centaines de mille. Je ne vais pas vous dire combien de 100 000, mais c'est des centaines de mille que j'ai donné. J'avais une petite économie que j'ai pris, j'ai retiré cash pour venir donner au gars. Et le lendemain, il a voyagé, il est parti en voyage. Et donc, c'est à distance, comme moi, je le fais avec certaines personnes. C'est comme ça. Voilà. Mais le problème, c'est que quand c'est comme ça, tu es plus à l'aise. Tu peux appeler la personne à n'importe quel moment parce que toi, c'est ta vie qui est en jeu. Donc, s'il y a une nouvelle que tu veux connaître, quelque chose que tu veux connaître, tu appelles. Donc, ce qui faisait que ça le fatiguait, mais il ne pouvait rien dire parce que j'ai le droit. Et c'est la même chose qu'il y a certaines personnes qui le font. Voilà. Quand il m'appelle, quand je ne décroche pas, il attend que quand je vois, je rappelle et puis on essaie de faire truc. Voilà. Donc, deux personnes, dès que je prendrai les deux personnes, je viendrai vous dire que je n'ai plus besoin des personnes. Donc le reste, chacun va se débrouiller. Et c'était un peu ça. Voilà. Donc merci beaucoup. Ça fait vraiment 24 minutes. C'est vraiment trop long. Surtout que c'est un préenregistrement.
Quand c'est un préenregistrement comme ça, pour mettre en ligne, c'est très lourd. Voilà, c'est très lourd puisque le téléphone, je sais pas pourquoi, mais il filme trop de manière lourde. Ces vidéos sont très lourdes. Là, vous allez voir, ça fait peut-être 4 gigas le fait que, comment on appelle ça? La hauteur, non, pas la hauteur. Bon, je ne sais pas. C'est que si ça fait 4 gigas la vidéo, je pense bien que ça dépasse même 4 gigas. Donc, il faut vraiment mettre ça en ligne pendant longtemps. Quand vous allez recevoir cette vidéo, soit on sera encore toujours le jeudi ou on sera déjà le vendredi. En tout cas, bonne fin de semaine à vous. Un pouce bleu si vous avez aimé tout ce que j'ai fait. Même si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas la peine de mettre dislike. Ça ne va rien t'apporter sur ta vie. De toute façon, tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, il faut mettre pouce bleu, on va avancer. Un commentaire, puisqu'on n'est pas en direct, donc ils ne vont pas vous empêcher. Donc, de ne pas commenter. Donc, un commentaire en bas. Et pour toutes les personnes qui veulent les suivis personnalisés ou les suivis en ligne, cliquez sur rejoindre, inscrivez-vous et puis on va commencer bientôt. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Herman Ivoirien, j'ai été très servi, très heureux de vous servir et de faire cette vidéo de synthèse dans le but de vous dire que je vais bien et je suis très content parce que du 5 à aujourd'hui, il y a plus de 200 abonnés. Aujourd'hui, il y a le 11. Donc, on peut dire en une semaine, il y a 200 nouvelles personnes. Je vous souhaite la bienvenue puisque le 5, nous étions à 15 000 abonnés et là, nous sommes à 15 200 abonnés. Que Dieu vous bénisse. Les nouvelles personnes, si vous n'êtes pas abonné, rejoignez la communauté. On est ensemble. Je salue ici tous mes super abonnés. Lala Tou, Valérie. Je salue aussi Sénateur, je salue Brice Quadio, je salue Francesca, je salue, je sais pas moi, Tabicha, c'est ça non? Abel, Tachida, je salue Franck, je salue, oh les noms là me viennent pas trop. Ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille pour mettre tous les noms de mes super abonnés là, je vais mettre tous vos noms comme ça. Hein? Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, même si vous n'avez pas entendu votre nom, ne vous fâchez pas, sachez que je vous aime et que je vous porte dans mon cœur. Je salue aussi Paola de la Chine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On est ensemble à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous parler de comment remplir le DS. Mais je vais pas vous montrer, je vais pas vous faire un tutoriel, je vais simplement vous brosser. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous allez me retrouver dans la communauté. Voilà. Donc, c'est important, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt, comment on appelle ça? Mon site internet sera ouvert. Il y a quelqu'un qui a créé un site internet et qui a mis toutes mes vidéos là-bas. Voilà. Je vais dire à la personne, je peux vous poursuivre pour usurpation d'identité. Vous avez pris mon nom à l'état civil pour créer le site. Vous avez pris mes vidéos pour mettre là-bas. Et peut-être toutes les revenus. Parce qu'un site internet, tout ça, les gens qui passent par ces sites-là pour regarder les vidéos, tout ce qui revient comme tout, ça vous revient. Je vous ai vous demandé de supprimer votre site et de supprimer mes vidéos. Parce que je peux prendre le lien, aller voir Google ou aller faire truc pour vous poursuivre. Je ne veux pas en arriver là. Je n'ai aucun site internet. Quand je tape mon nom, il y a des personnes qui ont créé des sites internet et qui se servent de mes vidéos pour aller poster là-bas pour gérer leurs trucs. S'il vous plaît, faites très attention parce que vous prenez mon identité sans mon accord, vous prenez mes vidéos sans mon accord et vous voulez vous taper de l'argent sur mes efforts. Moi, je suis en train de me battre avec mes abonnés ici pour leur montrer la culture et leur demander de saigner dans la vie. Dans la vie, il faut saigner pour réussir. Mais vous déjà, vous voulez passer par derrière, ne le faites pas. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais maintenant lire ma Bible. On est ensemble. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire. Peace and love. Bye bye.